Et si votre patron vous faisait une offre que vous ne pouvez pas refuser? J'organise un dîner une fois par mois. Le prochain, c'est samedi. Bon, génial. Chacun de nous doit trouver une personne exceptionnelle et l'inviter à participer au dîner. Voilà le type que j'ai invité la dernière fois. Vous invitez des idiots à dîner et vous vous moquez de ces mecs? C'est un truc de fou. Force-toi, t'as juste à te moquer d'une bande d'idiots. Il y a des fois où il faut bien se conduire. Ça va? Oui. C'est une Porsche? J'avais déjà été renversé par une Datsun, mais jamais par une Porsche. Demain, je suis invité à un dîner chez des amis et... C'est vrai? Ça doit être bien. Félicitations. Vous voulez vous joindre à nous? Merci. Ça va, là. Par le réalisateur de Mon beau-père et moi... On y va à ce dîner ou pas? C'est demain. Mais non, c'est ce soir. Et de Mon beau-père, mes parents et moi. Bon sang, vous lui avez donné mon adresse? Elle me harcèle depuis 2 ans, c'est une cinglée. Je lui demande de renoncer à venir. Je suis une écolière qui a été très vilaine. Vous êtes très grande pour une écolière. Oh non. En 2010... Où êtes-vous? On va commencer à dîner. Il y a une petite complication. Deux amis improbables. Il est en train de manger du papier. Non. Une folle aventure. Mesdames et messieurs, le dîner est servi. Vous êtes sûr, c'est bien ce que vous voulez? Oui, vous devez leur montrer que vous êtes l'ami d'un vainqueur. Je vous présente Louis et sa femme, Diane. Votre femme? Pour l'instant. Oh. Regardez, il est aveugle et il fait de l'escrime. Attention! C'est ce gars-là. Hypnotiseur. Je fais pas le point contre ces génies. Dis donc, tu m'as tellement décolleté, petit coquin? Non. C'est vrai ce qu'elle dit? Mais non, elle... Oh, je rêve. The Dinner. Salut, Tim! On a interverti nos téléphones! Oh, vous avez aucune chance d'avoir mes messages! Mon mot de passe, c'est MOTDEPA2SE! Vous aurez pas ce message-là non plus! Ah!